Bonjour à tous, salut messieurs dames, je suis Darodoc, j'espère que vous allez tous super bien les gars, en tout cas moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XIV et aujourd'hui on se retrouve pour un donjon qui est le donjon du gouffre hurlant messieurs dames. Donc écoutez voilà, allons-y, petit donjon pépère comme on a l'habitude de faire. Si jamais ça t'intéresse, il y a d'autres donjons qui sont dans dans la playlist de Final Fantasy XIV, tu peux toujours checker si jamais tu veux, enfin bref, voili voilà. Donc bon, en gros, c'est la grosse fourmilière. Tu vois, dans le coin, si jamais, genre, t'es un mec attaque à l'épée, là, un gladiateur, je sais plus comment ça s'appelle, et que du coup, tu spawns dans la ville d'Ulda, bah, tu sais, c'est les petites fourmis, là, qui sont extérieures et tout. À un moment, on croise la grosse fourmilière, et ben, voilà. Le donjon est à peu près ici. Mais moi, pour l'instant, moi, je me suis fait un barde. Je me suis fait un archer, du coup. Je me suis fait un archer qui, par la suite, est ainsi devenu barde. Donc, écoutez, voilà, allons-y, tranquillou, on avance dans le donjon. De base, je crois que le donjon, il me semble que c'est un donjon pour les niveaux 20, un truc comme ça, dans ce style-là. Moi, du coup, je suis forcément... Ah bah non, niveau 40, non, je suis con. Non, donjon de niveau 40, non, oui. Oui, parce que je suis rétrogradé au niveau 40, parce que je crois que je suis 43, 44, un truc comme ça. Donc ouais, c'est un donjon de niveau 40. Moi, j'ai dû confondre avec un autre. Bon, là, pour l'instant, c'est pas encore trop compliqué. J'ai pas l'impression que le... Comment ? J'ai pas l'impression que le heal soit totalement teubé. En vrai, ça a l'air de le faire. Bon alors là faut aller... Ah non, ok, non. Non, en vrai pour l'instant lui il est bon, lui il est bon. Après les adversaires sont pas forcément, sont pas compliqués à buter. Mais pour l'instant lui il est bon. On va dire que j'en ai déjà vu qui arrivaient pas à soigner à ce stade là de la game. Hein. Non mais histoire de pour vous dire, des fois on tombe quand même sur des sacrés cas. Bon sur PC moi vous allez me dire, hein. Oui c'est vrai que sur PC ça va encore. Parce qu'il y a une époque où je jouais sur... Ah on doit prendre les sables là. Attends, ok. Ouais, okay. Il y a une époque où je jouais sur Play. Et ouais c'était autre chose, ouais. Ouais ouais, sur console c'était... Ah, c'était un autre délire quand même, hein. On va pas se mytho. Mais bon là je vous parle d'une époque, ça doit dater de ouais 2013 quoi. Basilic des sabres. Et là, rien que ça, mon dieu. Oula, oula, oula. Là, je me prends des trucs dans la gueule, mon pote. Ce qui est bien avec mon 4, c'est que c'est une attaque de groupe, en fait, du coup, enfin, une attaque de zone. Du coup, qui va toucher un petit peu tout le petit groupe. Donc, c'est pas trop mal, comme ça, moi, j'inflige un petit peu de dégâts à tout le monde. Donc c'est vraiment... c'est pas plus mal, disons. Alors, ouais, hop, sable mouvant, pareil, on le prend. Roulbert. Bon, j'avance en premier. Là, j'avance à peine en premier, mais le... Comment... Le gladiateur, il était juste derrière, donc bon, ça va, quoi. Enfin, le fantassin, je sais pas comment appeler. Il était juste derrière. Putain la vache, mais c'est qu'il avance le con, ouais. Ah putain, mais il a... Mais il est tout là-bas. Ah merde. Bon c'est pas grave. Non là c'est vrai, peut-être my bad là, j'aurais pas du temps à avancer que ça, mais il a pas utilisé flash. C'est con. Il a pas flash le gars. Non d'accord. Ah, de la zone. Bon, là, pour dire que ça a été un gros move de merde, disons les choses, moi, je trouve que le heal, il gère bien. Là, en vrai, de toute façon, le heal, c'est vraiment le personnage le plus important, de toute façon, du groupe. Hein. Si le heal, il fait pas son taf, laisse tomber, c'est impossible d'y arriver. Hein. Putain mais il est solide cette saloperie là. Ah lui il m'a pas l'air gentil lui. Il m'a pas l'air très sympathique celle-là.
Bon, ça va parce qu'elle appelle pas de sbire là pour l'instant. Enfin, pour l'instant, je sais pas si elle compte en appeler. Mais du moins, là elle appelle pas de sbire. Donc, ça fait qu'on peut tous se focus sur elle, c'est pas trop mal. C'est qu'elle est coriace cette saloperie. Et voilà, elle dégage. Ok. Alors là dans le coffre, qu'est-ce qu'on a? Oui. Ouais, bon bah écoute, hop, on laisse. Hop, les sables. Ouais. Let's go, bro! Ah oui, je me souviens de cette zone-là. Oui, je dis je me souviens parce que je l'avais déjà fait à l'époque sur PlayStation 3, mais bon, j'avais 13 ans quand je l'ai fait. Là, j'ai bientôt 21 ans. Non, mais histoire de pour vous dire à quel point ça commence à un petit peu à redater, tu vois. Enfin. Ah, il y a du nouveau des sables ici. Putain, en parlant des sables, qu'est-ce que j'ai envie de partir en vacances au sable d'Olonne, là. Je vous assure. Non, parce que toi, je dis les sables pour les sables mouvants, mais en même temps, j'ai pensé au sable d'Olonne. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas si vous êtes déjà allé au sable d'Olonne, mais en vrai, si un jour vous avez l'occasion, allez-y, parce que c'est magnifique à cet endroit. Hein. C'est ouais. C'est trop classe. No joke. Ceux qui savent pas, c'est à l'ouest, c'est sur... comment? C'est sur la côte atlantique. Pas du tout dans le sud, donc pour ceux qui savent vraiment pas où c'est. Genre un peu à côté de la Bretagne en fait, c'est pas très loin. Et t'as le pampa mon pote, allez, dégage le pampa, let's go. Magnifique, allez hop. Putain, on en a encore un là. Ça me fait planer, genre à chaque fois quand t'attaques comme ça des trucs de groupe, tu vois ça clignote de toutes les couleurs, t'as des chiffres qui volent dans tous les bouts, tout ça, tu sais pas ce que c'est, enfin si c'est des dégâts mais bon, on comprend pas trop, ça pète de tous les côtés mec, c'est vraiment incroyable. Ça me fait planer, ça c'est vraiment un truc qui est propre au MMORPG ça. Ah mais en vrai c'est pas trop mal. Ok. Non, il reste le piaf. Bah maintenant il reste plus le piaf. On prend les sables, en vrai on s'emmerde même pas à buter tout le monde mec, c'est rien à foutre, c'est vraiment on termine le donjon gros. Ah, un ver de terre. Oh, wow. Vers des tunnels géants, ouais. Putain, bah rien que ça. Bah mon vieux, on n'arrête pas le progrès. Allez. Bon, en vrai, ça va, genre sa vie elle décarre assez rapidement. C'est pas non plus infâme, tu vois. Ouais, non, je peux pas encore les prendre. J'aime bien, j'ai beau spammer comme un gros débile, ça me bute. Tu sais, en mode ouais, je sais pas, peut-être que si je spam, il va quand même me le filer, mais non. Du coup, non, non. Putain, mais c'est qu'il est... Ouais non mais il tient la... Merde. Il tient la charge hein, le salaud. Je vais juste voir. Ouais c'est ça, j'étais pas. C'est vrai que je peux pas modifier la tenue de mon perso ici, faut que je sois à l'extérieur. On peut pas modifier directement comment t'es fringué et tout, enfin ton stuff quand t'es dans un donjon en fait. On doit vraiment attendre que t'es sorti, c'est vrai que j'avais zappé ça. Bon, il y a déjà un peu plus de la moitié. Ah, du verre qui s'est barré. Sors de là, petit. Petit! Ah, il est là.
Décidément, il est vraiment pas beau, hein. Ah c'est sûr hein, je suis désolé hein, le gameplay est pas vraiment très très fun, mais enfin bon voilà, je suis barde hein, je suis archer hein, donc moi c'est j'attaque à distance hein, tu vois. C'est pas mon rôle à moi d'attaquer, enfin de soigner tout le bordel. Bon, de toute façon je peux pas, de toute façon, problème résolu. Enfin si l'autre à la limite je pourrais lui balancer des potions, vous allez me dire oui je pourrais lui balancer des potions. Mais en soi non. Ce n'est pas mon rôle messieurs dames. Mais prends-toi ça dans le museau. Bon là c'est bon, il va calmer, voilà. Impeccable, impeccable, messieurs dames, parfait, parfait. N'est-il pas? Hop. Ok, donc là, de toute façon, on va avoir que le... On n'a plus que le boss, là, de toute façon, maintenant, à buter. Vaincre la chimère, eh ben putain. Rien que ça. C'est pas rien, mon salaud. Ah, on a un golem! Ils font mal, ces salopards, surtout dans les aléas. Genre, quand t'as des aléas de monstres et que t'as ces bestioles là-dedans... Parce qu'une fois, j'avais fait une classe avec un Gugus à l'épée. Ah, je me souviens qu'il faisait mal hein, quand même, hein, les golems. Hein. Genre, ah, ils tapaient fort. Hein. Ouais, c'est ça, leur souffle, là. Genre, ils te soufflaient à la gueule, là, un truc grave chelou, grave dégueulasse. Et ah, je me souviens que ça faisait mal. Mais c'était grave bien, c'était que des bons souvenirs à cette époque-là. Hein. J'étais encore au collège, je jouais à Final Fantasy, tu sais. Bon, sous mes potes, ils jouaient encore à Mario, ou ils étaient sur Call of Duty. Bon, je jouais aussi à Call of Duty. Mais moi, c'était vraiment Final Fantasy. Hein. C'est pas grave. Je suis en train de me demander où ils étaient, gros. Bon ouais, c'est vrai que j'ai aussi eu ma période Black Ops 2 aussi, un peu comme beaucoup de joueurs, mais voilà. J'ai énormément joué à Final Fantasy, enfin, de toute façon il y a énormément de jeux auxquels j'ai énormément joué. J'ai d'ailleurs failli être déscolarisé et redoublé plus d'une fois, mais j'ai jamais redoublé. Parce qu'à chaque fois, je savais me mettre au travail quand il y en avait vraiment besoin, tu vois. Enfin. Oh, je touche un peu tout le monde là, c'est pas trop mal. Bon là de toute façon ils sont tous low hein. Les monstres là en face là y'en a plus un cas de la vie. Ah bah le golem il est foutu. Ouais c'est ça la flaque de merde verte là, ça dégage aussi. Ah, je crois qu'on va bientôt arriver au boss là il me semble. Ah non, encore un golem à buter. Ah ça doit être derrière là. Ce que j'étais en train de me dire ça doit être juste derrière là qu'on va devoir les buter le boss je pense. I think. Voilà, ça dégage. Toi, tu prends ça aussi. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, ouais, donc le boss est là juste derrière. C'est pas une sorte de lion, je sais pas quoi là. Ah, si, ouais. Bon, ça ressemble pas trop à un lion, mais je me suis compris. J'ai bien de la chance, moi, des fois, de me comprendre, mon pote. Laisse tomber, non, mais no joke, hein. C'est pas du vrai, là. Bon. En vrai, au niveau du heal, ça va. Le boss, il est pas non plus... En vrai, des fois, dans les fights, en brutal, genre, c'est un peu plus compliqué que ça.
Si tu veux, les monstres ont plus de vie, ils font un peu plus mal. Puis il y en a un peu plus aussi. Mais enfin, je pense qu'il y en a un peu plus, ça je suis pas sûr. Mais sinon, ouais, il me semble que c'est ça. Donc, ouais. Non mais là, franchement, encore ça va. Et en plus de ça, on a le healer. Il se démerde vraiment bien, donc je pense que je vais le récompenser à la fin de la game. Parce que vraiment, il se démerde vraiment. En fait, tous se débrouillent bien. Ça fait plaisir d'avoir des teammates comme ça qui se démerdent, en fait, ouais, genre qui font bien leur taf et tout. Et c'est un plaisir, tu vois. Quand tu fais pas que des retours lobby à la con. Voilà, pile au moment où je dis ça, je claque. Putain, ce que je me suis pris dans la gueule, gros. Ce que je me suis. Non, mais vous avez vu ce que je me suis pris dans la gueule, sans déconner. C'est pas grave. Oh, puis il me reste en plus, il me reste. Mais tu es un homme bon. Tu auras ta place au paradis, mon brave. Tu auras ta place au paradis, je le dis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Putain, puis il me ruine directement dans la foulée. Je remeurs instantanément, c'est magnifique. J'ai rien le temps de faire. Bon, en vrai, gros, je vais spawn, je vais respawn, je vais me mettre une potion directement. Je te le dis, je vais même pas m'emmerder. Ouais, non, mais à la limite, vous faites le fight, hein, vous emmerdez pas avec moi. Putain, j'ai de remarquer, le mec, il s'appelle Chocobon Nutella. Non, no joke, déconne. Le mec, il s'appelle vraiment comme ça. C'est incroyable, Chocobon Nutella, il s'appelle. Ah, mais j'aime bien son pseudo à lui. Non, en vrai, j'aime bien son pseudo. Bon, là, il y a les deux tiers de la vie. Bon, ah, pas tout à fait les deux tiers, mais presque les deux tiers de la vie qu'ont foutu le camp. On s'en rapproche, les amis. Nous tenons le bon bout. Je tiens à le dire, c'est... voilà. Je tenais à le dire, tout simplement. Impeccable. Impeccable. Oh, merde. Oula, là, ça fait mal. Là, on est deux à être low. On est deux à être low, mon pote. Moi, je me tiens à l'écart. Oh, merci, il me soigne. Mais quel homme bon. Mais quel homme bon. Tu es un chocobon. Là, c'est entre chocobo... Chocobon, tu es un homme bon, t'as compris, ça fait chocobon. Bon, bref, ouais, non, c'est de la merde, c'est de la merde. En même temps, ça fait le gâteau, voilà, je suis mort. Non, mais ça m'apprendra à dire de la merde. Tu vois, je dis des conneries et je meurs. Non, mais c'est bien fait pour moi, en vrai. No joke, bien fait pour moi, Pinrayan. En fait, si tu veux, genre là, c'est moi le plot de la game. C'est moi le plot de la game. Mais en même temps, genre, je suis en train de vous faire la discussion en même temps, donc je suis pas masse concentré, mais bon, après, voilà, quoi. Quand je me prends des auto-attaques comme ça, des fois dans la gueule, c'est pas forcément non plus ultra évident de gérer la chose. Après, on fait un petit peu comme on peut. Mais moi, je trouve que le heal se démerde plutôt bien. Sans déconner, il se débrouille bien. Il fait de son mieux et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Putain, là, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Yes. Allez, dans ta mère. Voilà, gagne niveau en plus. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau? Allez. Et hop, remonte ton slibar, Lothar. La petite capture d'écran parce que bah écoutez voilà on ne perd pas les bonnes habitudes. Mais regarde-moi là mon mec. Mec il a un arc il est plus gros que lui. T'as l'impression tu sais c'est un petit sixième avec son sac à dos. Tu sais le sac à dos il est plus gros que le gosse. C'est exactement la même chose. Ouais bon allez hop du coup on va honorer que lui parce que les autres ils se sont déjà barrés. Voilà les gens, la vidéo se termine là. J'espère que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Même probablement sur Final Fantasy XIV. Et puis écoutez, bah, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée, un très bon apéro. Et puis à la prochaine.